Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Cetra, l'impérissable. Alors, eh ben, on est reparti, hein, on y va. Alors ça fait une semaine que j'ai même pas regardé où j'en étais dans cette partie. Et du coup je me rends compte que oui, on a ces méchants Skaven qui sont en train d'essayer de nous piller et de nous voler de la population. Enfin, ça leur fait de la nourriture en fait. Hein. Voilà, parce qu'ils rongent les os de nos morts et... Le peu de chair qui reste, ils s'en nourrissent, voilà, puisque ça se nourrit de n'importe quoi, hein, c'est des Skaven. Ok, allez, on y va. Du coup, donc seigneur non déplacé, on va suivre un petit peu ici. Oui, donc lui ne se déplaçait pas, hein, puisqu'on était en train d'assiéger ces gens. Si je me rappelle bien, ils vont pas tarder à se prendre de l'attrition, voilà. Je ne pense pas qu'ils nous attaqueront, mais pour le moment, on va maintenir le siège. Voili, voili. On avait une armée qui s'était fait bloquer dans le coin, ou c'est lui qui s'était fait bloquer, je ne sais plus. Comme de toute façon, il ne bouge pas, ça n'est pas gênant. Et du coup, on voulait essayer de se faire cette armée, mais on n'a pas trop envie de se... Quoique... Quoique, il y a du monde quand même. Et lui, il a quoi? Ouais, c'est pas non plus fou, quoi. On devrait pouvoir se les faire avec nos deux armées, je pense. Voilà, faut juste que ça se régène un peu. Normalement, on peut recruter dans cette position. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... A-t-on encore des archers? Il nous faudrait des trucs en un tour. Parce que... Ah non, il n'est pas en mode recrutement. Donc à la limite, on pourrait peut-être perdre un tour à recruter. On a de l'archer, on en a perdu pas mal. Mais on a ces gars-là. Ça, on en a. Il nous en faudrait peut-être un peu plus. 5 sur 6, non, je peux pas vraiment en avoir plus, en fait. Il faut que je refabrique un bâtiment de... pour avoir de ces gars-là. Ça nous prendrait 4 tours. Ça nous prendrait 6 tours. Mon Dieu. 2 tours pour un héros titan. Non, 6 tours pour un héros titan. J'étais en train de me dire... Non, c'est qu'on peut en avoir 2, mais ça prendrait 6 tours. En train de me dire, ça serait étonnant que on puisse les avoir en un tour. Pas vraiment grand chose qu'on puisse recruter à part de ces saloperies là, quoique ça c'est sacrifiable. Et ça ne prendrait qu'un tour pour les recruter, on peut en prendre 3. Voilà. Comme ça, au tour prochain on les aura. Ici, donc on va se faire ces gars-là, hein, pas de soucis. On a des agents. On a des agents, je crois. Voilà, le prince Esfir qui se trouve ici. Alors, mon cher prince, si tu pouvais, je sais pas, faire un... Alors, des assauts sur la garnison, ouais, moyen intéressant, ou attaquer les unités de ce gars. Oui, bah, je pense qu'on va attaquer la garnison. On a plus de chances de réussite en plus. Donc, du coup, allez, mon gars, au boulot! Au boulot, mon petit prince. Oh, t'as pas le mouvement. Oh, la misère. Oh. Bon, bah, tant pis. On frappera au prochain tour. Juste avant d'attaquer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, donc, il y a ici, aussi, où on s'est installé, hein. On leur a piqué... on leur a piqué Scarogne. Et on est à Tobaro. Donc, il va nous falloir Magritta et Bilbali. Donc je pense qu'on va se diriger sur Bilbali. Avec une de nos armées. Oh, quoique Magritta, il a pas l'air d'avoir grand chose vu qu'il vient de... Donc on pourrait attaquer... On pourrait attaquer Magritta. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'on bute cette armée-là.
Voilà, Je qui crains est... de Oh, pleine désappointer. de saloperies, dites-moi. Ici, on a quoi? On a de la belle saloperie, nous aussi. On a du répondant. Le seul truc, c'est que nos unités là sont... remplaçables. Donc, on va laisser. De toute façon, on a ces gars-là qui feront le taf devant. Ces gars-là qui vont faire le taf aussi. Lui, il a quoi? Ouais, il a... ouais, à part ces saloperies-là, le reste, ça va se faire manger en deux temps, trois mouvements. Ça tiendra pas. Ça, ça. Et ça, les moines de la peste avec zéro d'armure. Ils vont nous faire mal, hein, c'est sûr. Hein, parce qu'ils ont les attaques empoisonnées et tout, ces gars-là. Mais voilà. Ok, donc notre seigneur non déplacé, on a dit qu'on ne le déplaçait pas, et du coup on finit ce tour. Allez, c'est parti. Donc ici, oui, on était venu se remettre à Coffer. Si je me rappelle bien, ça c'est une armée assez moyenne. Voire nulle, mais... Ça suffit pour décourager les ennemis, et puis ça suffira au moins pour les affaiblir. Le temps qu'on ait une bonne armée qui puisse se déplacer. Il va falloir que je refasse aussi mon armée où j'ai trop de caves là. Mais pour ça, il va falloir que je refasse du bâtiment. Donc on regardera au prochain tour où est-ce qu'on va pouvoir placer des nouveaux bâtiments de recrutement. Pour pouvoir recruter notamment du hallebardier et compagnie. Hein. Des bonnes unités d'infanterie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut avoir de bonnes unités d'infanterie. Donc tous ces gens qui sont tellement loin de nous que on ne sait pas vraiment qui ils sont. D'ailleurs, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est envoyer recruter un ou deux agents et les envoyer explorer en fait, hein, tout simplement, hein, qu'on découvre un petit peu toutes les autres factions et tout, parce que là, finalement, en fait, à part ici, on n'a pas été bien loin, quoi. Il faudrait qu'on visite tout ça et puis tout ça. Donc du coup je pense qu'on va se recruter un prince ou un type comme ça qu'on va envoyer à activité du héros hostile, bloquer l'armée, succès. Encore? Oh mais c'est... Alors pourquoi je vois le clan Mulder en fait? J'ai un agent dans le coin ou c'est parce que... J'ignore totalement pourquoi j'ai une vue ici en fait. J'ai dû le savoir dans les épisodes précédents, mais là maintenant, je n'en ai plus la moindre idée. Comment que ça se fait que je peux voir ce qui se passe là-bas? C'était une bonne question. Non mais t'es sérieux, toi? Oh l'enfoiré. Mais il n'aura pas le mouvement. Mais il a le mouvement, le fumier. Ah, ce que je déteste ça avec ces armées à la con. C'est ça, c'est qu'ils ont la compétence de vous prendre en embuscade. Et puis là, on est mal parce que je crois qu'il a deux armées, hein. On va se faire massacrer. Hein. Là... Là, je pense qu'on va se faire violemment massacrer. Et puis là, pas la possibilité de fuir. Hein. C'est vu qu'ils vous prennent en embuscade, c'est cramé. C'est pas grave. C'est pas grave du tout.
On va probablement perdre une armée, mais on n'a pas vraiment trop de difficultés à en reconstituer, donc... Ok, non mais c'est bon là. Tu me fais quoi là? Allez là, lance-la la bataille. Ah. Ah, puisque là, il... Voilà, alors. Comment sont réparties mes troupes? Et comment sont réparties les siennes? Ok, donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est prendre ces gars-là, prendre ces gars-là. Alors, est-ce qu'il a des troupes dans mon dos? Ça va être ça la deuxième question. Putain, j'aime pas cette map. Elle me stresse déjà, la map. Voilà, encore une map bien faite pour l'IA. Apparemment, on n'aurait pas de troupes dans le dos. Donc. Est-ce qu'il va avoir des renforts? Oui, il a des renforts qui arrivent derrière lui. Super. Donc, toi. Ok. Toi. Ok. Toi, ok, t'as de l'huile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous ces gars-là, comme d'habitude. Hein. Vous me connaissez. Je fais des groupes. Comme ça, j'arrive un petit peu mieux à m'y retrouver. Lui, on va le mettre avec eux. Eux. Voilà. Et eux. Le groupe de commandement, on va se le garder sous le coude. Et donc, hein, mais ils sont plutôt bien placés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces gens. Qu'on va amener ici. Oh. Non, le groupe 1. Voilà, il va venir ici. Directement. Ce groupe-là. Va venir se mettre ici. Les chars. Vous allez venir ici aussi. Voilà, les chars, on va les mettre... Non, non, les chars. Oui, c'était ça. Donc les chars, vous venez ici. Voilà. Vous. Pareil, on va vous faire venir ici. Et vous. On va vous faire venir ici. Allez, c'est parti. Voilà, faut qu'on bouge vite et qu'on les attaque fort avant que ce soit eux qui nous attaquent. Mon groupe de commandement, on va l'avancer ici. Voilà. Et toi qui as des sorts. Alors attendez, parce que je. Hop. Cause à l'adversaire. L'adversaire a de grandes chances de résister aux dégâts. Faible contre un seul guerrier. Ok. On a les vortex. Ok. On a un debuff. Ça, c'est un buff. Et ça, c'est un buff. Ok. Donc, ben, on y va sans plus attendre. Vous.
Vous me chopez ces gars-là. Vous chopez ces gars-là. Vous. Vous me chopez ces gars-là. Vous, ces gars-là. Vous, ces gars-là. Vous, ces gars-là. Toi, est-ce que tu pourrais me lancer ça là-dessus? Non, visiblement pas. Bah, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas renforcer cette unité. Et que cette unité, on va lui dire de foncer là-dedans. Voilà. Oh, il a du ogre, hein, l'enfoiré. Va falloir qu'on tienne, hein. Donc voilà, les ordres ont été donnés, c'est parti, vous avancez. Toi, tu t'avances aussi. Toi, tu me mets ça là-dedans et puis tu viens me planquer ici. Ah non, le vortex est pas passé, putain. On va refaire une pause. Mes chars. Ils sont où, mes chars? Ok, bah les chars, vous... Vous foncez là-dedans. Voilà. Ils sont aux prises avec quoi, là? Parce qu'on n'y voit rien dans ces foires à la con. Putain, nos archers... Faut qu'on les déplace. Donc les archers, vous venez vous mettre là. Et vous tirez là-dedans. Et mettez-vous en mode... voilà. Et vous, vous êtes où? Vous, vous êtes là. Donc, bah, il faut me choper ces rats ogres, là. Hein, que je ne vois pas, d'ailleurs. Voilà, hein, vous me chopez ces rats ogres. Hein. Allez, allez, on y va. Hein. On va prendre cher, là. Ça va être vraiment une bataille de merde. Je le sens. Ça, c'est quoi? Ok, pim. Toi. Donc, vous. Choper ça, toi tu viens ici. Ouais, ça va être compliqué à micromanager tout ça. Ok, vous venez choper ça dans le dos. Toi tu démontes ce truc là, ou voir ce truc là. Est-ce que tu peux te le faire? J'ai un doute quand même. J'ai un doute quand même. Toi. Voilà. Nos archers. On va leur dire. Venez tirer sur ces gens-là. Voire même sur ces gens-là. Putain, on va se sortir. Vraiment la merde. Et puis il y a ce mage qui arrête pas de m'envoyer des... Putain.
j'ai déjà plus de magie. Voilà, et puis Garaogre à la con. Va me buter ce mec. Ah mais non, mais c'est une menace élevée lui aussi. Bon bah reste là-dedans, qu'est-ce que tu veux. Voilà, nos archers. Tirez là-dedans. Eh hey, mais les chars là, vous faites quoi? Putain, je vous ai dit d'attaquer ça, vous faites quoi? Voilà, mon mage s'est fait buter, bien sûr. Ah non, il est toujours vivant, lui. Ah bah non, il est mort. Et lui, ça va pas tarder. Voilà, on est en train de prendre super cher. Lui... Non, toi, en fait, je veux que tu viennes me buter ce gars-là. Voilà. Et puis vous aussi. Voilà. Et puis là, ah bah on va lui mettre ça sur la face. Vous, butez-le. Je prends mes unités les unes après les autres, c'est une catastrophe. Et je vois rien de ce qui se passe. Mais rien. C'est vraiment des maps à la con. Il y a encore toute une armée qui est en train d'arriver. Il va y arriver le scorpion là, à me buter ce mec. Ce combat qui part en sucette. Non, 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 continue à me buter ce gars-là. Voilà, et c'est ça qui a de chiant avec les Skaven, c'est qu'ils font que ça, que ça, que ça. Ils repartent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Et voilà, et mon armée est finie. Bon, bah voilà, ça a été vite géré. On leur a fait mal quand même, hein. On leur a fait mal quand même. Et là, forcément, se faire attraper dans une région comme ça, j'y vois rien. Forcément, l'IA, elle est carrément avantagée, quoi.
Donc du coup, bah voilà. Lui, il repart par là. Donc si on va essayer... Non, mais non, mais où tu vas, toi? Il faut que tu reviennes ici. Lui, il va où? Aïe, aïe, aïe. Si je peux l'intercepter, ça va être trop le pied. Je vais les massacrer et je vais y prendre du plaisir. Ok. Voilà, lui il m'a encore bloqué mon armée. Tout ce qu'on a perdu. Heureusement que c'est des rois des tombes. Hein. Parce que bah, ils finissent toujours par se relever, ma foi. Donc, toi, on avait dit, voilà, assaut sur la garnison. Et on est parti. Voilà, donc toi, tu fonces dans le tas, tu me les assièges. Ah, mais oui. Donc non, toi tu romps le siège en fait. Voilà, mais du coup t'es à portée quand même. Et toi? Voilà, tu te mets en siège. Et là, on va faire pim. Non, on n'a pas besoin d'un bélier, on a tout ce qu'il faut. Donc on va juste faire des tours de siège. 4 tours, ça va être long, donc non, mais oui, en effet, on va faire ça. Voilà. Parce que... Avec nos unités qui vont attaquer les murs et... Notre cavalerie, une fois qu'elle pourra passer, ça sera juste du carnage. J'ai pas fabriqué de machine de siège ici. Oh si, j'ai dû en fabriquer. Bon, on va en refaire... Ah ouais, non, 2 tours. Non, non. Voilà, au pire, on va faire un bélier, histoire de... Le temps d'attendre. Et au prochain tour, on pourra penser à les attaquer parce que bah ils auront quasiment plus de vie, donc ça sera une chance pour nous. On leur fera le plus mal possible. Toi, du coup, est-ce que tu peux me choper cette armée? Oh là là. Mamma mia. Alors toi. Oh. Oh, j'ai même pas besoin de la jouer tellement c'est une... Voilà. Bannière d'épouvantail. Voilà. Récolter les organes pour les vases canopes, peu de reconstitution de nos unités. Oui, on va préférer la reconstitution de nos unités. Et maintenant... Voilà, on se met en mode embuscade. On a buté ce gars-là. Toi. C'est un succès. Voilà. Oh, ce que j'aime quand ça réussit. Bravo mon grand. Donc toi, tu vas apprendre à attaquer les unités. Toi,
Alors qu'est-ce que tu peux faire toi? Genre attaquer les murailles, est-ce que tu peux... Non, toi tu peux endommager des bâtiments. Donc non. Par contre... entrave sa reconstitution. Quoi qu'il est en marche forcée, donc il doit pas reconstituer beaucoup, mais... C'est un échec, dommage. Mais il doit quand même, ouais, s'il reconstitue même bien en fait. En plus que cette armée-ci... Ah mais c'est l'armée qui a dû nous attaquer par derrière en fait. Ça devait être l'armée de renfort ça. C'est pour ça que toutes ces unités sont... Voilà, il a gagné un disciple. Et donc ici... Alors, ce que je voulais voir aussi, c'était mes bâtiments. Oh là là, mais cet épisode qui a déjà trop duré. Non, ça nous intéresse pas. Et ici, bah oui, du coup, ça nous intéresse. Par contre, du coup, j'ai pas d'autre endroit où je peux faire des bâtiments. Ce qui est assez ennuyeux. Bon bah du coup ici on va faire ça quand même. Et les Stalys, oui forcément l'ordre public doit commencer à... ouais par contre moi je régène pas si je fais ça. Et je peux pas faire ça. Non, il faut 50%. C'est en fait c'est le mode campement chez les. D'accord. Non, non, mais pas du tout, non. Non, sûrement pas, non. Tu restes là en mode embuscade, mon gars. Les points de compétence. Tic tic tic. Donc les vases canopes, faucheurs d'âme, taux de reconstitution. Hop. Alors lui, c'est un quai solo aussi. Donc, assassiné. Seigneur non déplacé. Héros non déplacé. Donc toi, bah, tu vas venir buter ce gars-là si tu peux. Ah, t'es obligé de faire tout le tour. D'accord. Oh, c'est pas grave. Ça l'occupera. Et fin du tour. Et on arrêtera le tour au début de... On arrêtera l'épisode au début du tour. Voilà. Les nains qui... Oui. Bah, les nains. D'accord, c'est son agent en fait qui me permet de voir. Voilà, parce que je dois avoir une alliance défensive avec les nains ou un truc comme ça. Ou un pacte commercial peut-être. Un accord commercial, ça peut suffire des fois. Je sais plus avec quelle faction c'est, mais... Mais on doit avoir une alliance défensive, je pense. Heinrich Kemmler. Hein, l'ordre du savoir. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, cher bel Arthur? Vas-tu nous faire une action... d'éclat contre cette armée.
Le seul truc qui m'ennuie, c'est que du coup, je vais perdre Bilbali. Parce que probablement qu'Exoatl ou l'Ordre du Savoir va le reprendre. Parce que là, moi, je pense que l'autre armée, finalement, je vais peut-être la laisser. Et aller m'occuper de... Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Non, ils vont où? Ils vont vers Château-Gasconie. D'accord. C'est intéressant. Ils vont en Bretagne, les mecs. Ok. Bon. Lui, il veut un accord de paix, hein, bien sûr. Il est sur le point de disparaître de la surface de la Terre, donc... c'est juste... je suis désolé, mais non. En plus, il faut que je mette fin à l'épisode. Donc... Chers amis, vous connaissez le... Ah bah non, c'est pas fini en fait. Le tour n'est pas fini. Désolé, Je sais pas pourquoi je pensais que c'était mon tour en fait. Du coup. Mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein? Alors lui, il va quand même pas me prendre en embuscade alors que je suis en embuscade. Faudrait pas pousser mémé dans les orties non plus. Non, il remonte, hein. Il se barre au nord. Je pense qu'il est en train de poursuivre les... Les Sacaments. Enfin, Exoatl. Voilà. Donc, eh bien, chers amis, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec Cetra l'Impérissable.